kuwawa na kuchoma, kuwawa na kuchoma population na nikimbia hapo. There is this witchcraft and sorcery in our communities. Ila ila akili ya imbwa imulitia wanake na ichoma, pia lunguza, pia choma. La Mujakadi, c'est d'abord une femme qui vit avec tout le monde dans la communauté, mais qui veut se faire passer pour quelqu'un qui a tous les moyens possibles. Elle se passe pour une prophétesse. Une prophétesse, mais qui est une fausse prophétesse. Dès que la Mujakadi te déclare sorcier ou sorcière, maintenant, ce sont les bandits, les grands chefs, qui pourront la personnaliser et commencer à torturer la personne en question. Taranè, ce sont là des femmes qui ont été brûlées vives et parmi ces 21 ont été tuées, lapidées. Donc, lapidées. South Kivu is an eastern province of the Democratic Republic of Congo. Witch hunting here has been commonplace for decades. According to local custom, anyone who practices witchcraft is burned alive or lynched. Officially, it's illegal, but human rights activists say that case numbers are not going down. In Congo, witch executions are instigated by the Mujakadi, female psychics who, according to the more educated population, take advantage of gullibility and manipulate people. There is this witchcraft and sorcery in our community. Since I was a child, I was living in a society which is so spiritual and where everything that happens must have an explanation. Like good or bad things, people must explain why this exists. And the first time I experienced this phenomenon, Mujakadi, it was when I was a child. It was a period of war, and there were a lot of children in the streets. And a few of them who were adopted by some families, if something bad happened to the family, all the members of the family decided that it was this child who was bringing bad vibes in the family. And also poverty were like increasing in the society. And a lot of pastors or priests needed also money, so they have to go to people and ask them for, God, talk to me, I knew that someone in your family came and killed your child, or if you lost your job, and then he asked for money for this kind of prophecy. And more people were like believing in these people. La Mujakadi, c'est d'abord une femme qui vit avec tout le monde dans la communauté, mais qui veut se faire passer pour quelqu'un qui a tous les moyens possibles pour trouver des solutions aux différents problèmes de la population. C'est par là que ça a commencé. Une femme qui prie. Une femme qui crée sa chambre de prière, mais par la suite, elle se rend compte qu'il y a des gens qui sont en train de venir. Et par la suite, elle se rend compte qu'elle se retrouve dans un terrain où c'est apparemment un terrain vierge où il n'y a pas. Elle s'est fait passer pour quelqu'un qui dépasse toutes les églises qui existent. With poor education levels, much of the population here is extremely superstitious. Perhaps more than anywhere else in Africa, it can be challenging just to take a picture of a passerby on the street. As soon as anyone spots a lens pointed at them, they turn away or try to hide. One widespread belief is that through witchcraft, a likeness can be used to harm someone's health or mind, because a photograph also captures a piece of their soul. Ces gens-là qui subissent des atrocités de ces Mujakadi sont des païens. Voilà les problèmes. Donc les églises ne peuvent pas facilement les avoir. Mais on y va aussi. Ces païens-là vont chercher les Mujakadi. Donc les églises ont du mal à régler ces cas parce que les églises prêchent Jésus. Mais tout le monde ne suit pas parce que ces païens-là sont à la recherche de la solution urgente. Thank you.
La vie actuelle au Congo est difficile. Vous allez constater que les gens vivent dans une misère grandissante. Il suffit que la population tombe dans des difficultés à la recherche des solutions à leurs problèmes. On n'en trouve pas. C'est là qu'on suffit maintenant qui s'est dit homme de Dieu. C'est ça que les femmes là arrivent à avoir la confiance de la population. Maintenant, la population a besoin de se fier à l'homme de Dieu. Elle se passe pour une prophétesse. Une prophétesse, mais qui est une fausse prophétesse. Au lieu de se limiter à aider, à trouver des solutions aux problèmes dans la communauté, elle a même commencé à citer des noms des gens. Elle a commencé à préciser que dans telle famille, si vous trouvez un enfant malade qui ne trouve pas guérison, c'est parce que précisément il y a quelqu'un qui fait à ce que le mauvais sort persiste sur l'enfant. Et demain ou après-demain, des membres de famille vont s'attaquer au voisin, comme quoi c'est lui qui est source du malheur qui frappe telle famille ou une autre famille. The influence of Mujakazi prophets began to spread across the region after the Great African War, the name given to a military conflict largely unknown to the rest of the world. It was the bloodiest since World War II. Ethnic divisions and the lust for power and natural resources created a perfect storm in the Democratic Republic of Congo. 9 countries and more than 20 factions fighting on 50 fronts were drawn into that war that began on August 2nd, 1998. That war was marked by unspeakable brutality. 500,000 women were subjected to sexual violence. Many of the fighters claimed to have killed up to 100 people a day. The Great African War finally ended on June the 30th, 2003, and foreign troops withdrew from Congolese territory. However, more than 70 different rebel groups remain in South Kivu, a province particularly rich in minerals. From time to time, rebels still raid Bukavu, attempting to seize the town. They kidnap humanitarian aid workers for ransom and plunder and terrorize neighboring villages. It was just war after war, war after war, and people were like fighting and fighting. There are these big churches like Catholic Church and Muslim and Protestant. People were like doubting, like, really, we do have God and Jesus and whatever, but why are we suffering like that? Can we have a big prophet who will come and do miracles? Okay, we are not finding answers since 10 years, 15 years, 20 years. We're still suffering, and maybe this is the solution. So people may lose that rational aspect of reflecting on these prophecies because of these other social and political problems. Vaske babetu iko miaka 3 anakufa. Akatuache tuko ba garso ba wili selo shiri kwetu kubushi. Banaweza kama mtu anadhalilisha nishika ndio ba garso. Sasa baba sali kufa akatugabulia kwa alikuwa na kwaki. Nita ngambo yangu jo umama alikuwa naishi. Kile tu mkatia sema mama ni mlozi. Avelo ndio mama chaku na bana bampeka ni ruku ya ya kabushi. Tamanyira. Simanyaka. Nabuye bakolebera banshimba kone kimanya gurengisha na fantia abo bana bana bya muzimu birugo bashimba birugo byali akabyali binene kudere muri bana bagenda walahira muri ya muri babishita walahira bana gendereza abantu gendereza uri bagalwa nemera kumwana wandiraga ndi walahira. Donc ces femmes qui sont accusées de sorcières n'ont pas droit d'accéder au marché, n'ont pas droit d'accéder à l'église, n'ont pas même droit de sortir de l'extérieur. Nous, nous sommes des femmes orphones que nous communiquons aux femmes rurales qui sont dans des territoires parce que c'est là où il y a beaucoup d'abus, hein, beaucoup d'abus, beaucoup de violences sexuelles basées sur les genres. N'a pas alerté ou même les témoins n'ont pas alerté. Nous recevons juste des alertes ici. Telle femme a été brûlée vive disant qu'elle est sorcière. Telle femme a été pendue disant qu'elle est sorcière. Telle femme a été décapitée même disant qu'elle est sorcière. Un garçon qui est venu ici avec les bras de sa maman, comme preuve. On est venu la prendre à la maison disant qu'elle ira quelque part voir les amis. Et c'est comme ça qu'elle a été décapitée en cours de route par les membres de la famille. Chef de groupement,
chef de localité, na nyumba kumi, commando chef, chef d'avenue. Yo baka organiser batu bakuwa. Me ma batu bakanita kule njovu bashapanga kuwa mama yako. Je nikamwambia nienda kunikambia bwana tutoke hapa chuba na basha programme kuwa. Ye mkutoka kule ababa uwe banenda na chef commanda mwiko kule. Parole groupement, parole nani bana bongelesha kama anapatia kitu ya pombe. Sawa nakia kuwa kudumana nafasi ambulance amweni. Juu bale bali tumikisha ile watoto yake. Bali batumikisha bale banduku. Kwa msaba pati tafuta nyingine namuna ya kunyang'anya pale kwenye vipi baki yake. Bali batumikisha mama wangu ni akimbie pale njoo bangalisi ya kunyang'anya pale kwetu. Village la richesse ce sont des terres. Vous comprenez que ce sont des stratèges. Ce sont des gens qui sont instruits par rapport à ces femmes-là et ils s'initient avec ceux qui ne sont pas instruits et ils profitent de ces phénomènes-là, mujakazi, des accusations sorcières pour aussi prendre les biens de certaines femmes qui ne savent pas revendiquer leurs droits dans ce sens-là. Kambia kule hakuna chorisio. Tenda kule lakini utakufa tu. Haiko bulozi njoba na kufuatia. Kuna kitu ingine manavizi. The Mujakazi's influence grows every year across the area. Their parishes are as popular as Catholic or Anglican churches. Seno weye, Mujakazi, anasimaka bongo, anasimaka kweli. Isi anasaidiaka batu wala antesaka batu? Anasaidiaka batu. Chwani? Ama balishani loga nikiingia kwake ananiambia mwanini loga. Aseme bongo. Aba na muki munaona hapa boti. Ni walozi. Wako wanapigana milonye ya mkinywa. Na ya mmacho. Ataya hapa. Ataya mmacho. Mtu anafariki. Na wabwana yao ni walozi. Sawa ule Mujakazi anawavumbula. Wanakatala. Na huku balisha kwa maeli. Mwenja. Iko pala iko pia. Wakati mulozi, wakati Mujakazi anasikuwa simamia pale, wakati ule mtoto anasikia vili, ule mtoto ataangalia vya hivi na hivi, atakamata mkuu. Pale pale ataangalia mzazi kama ni huyu, ataangalia baba wala mama atamchomeka na toka. Sasa, tunaona, batu wenye liko kuru wa Mujakazi, ni batu ya mingi. Sasa utaona maake, ni batu ya mingi, hautayua sema. Mujakazi prophets are mostly active in five South Kivu villages. Our guide Sylvain says three of them are currently occupied by rebels. There's no way to get there. The other two seem safe enough, except for the fact that 3 days before we arrived, several Red Cross workers were kidnapped en route to one of those villages, leaving only one relatively safe place to meet a Mujakazi, the village of Kabare, 30 kilometers from Bukavu. Mais je descends là souvent dans le cadre de les cas d'enseignement. Et des fois, même je passe quand il y a incendie, des gens, je rencontre même les gens qui ont été incendiés pour des faits d'accusation, mais les gens d'ici n'y vont pas. We live now the town of Bukavu, and we are going in Kabare. But there is some challenge here in the security. The security is not really easy because people, they have guns and they look civilian. Militia, they used to come on the street, they can stop the car, they take someone, they rob everything in the car, sometimes they can kill. They used to go to the corner, as well you can see in this way, the road is not stable, you can't go very fast.
and they will just stop you. This is the unsafe zone, but no way to do. We have to keep going and to be careful. Even Kabare Center, we don't know exactly who is the leader in Kabare Center. Maybe it's the militia, maybe it's the government. Hoping to meet a Mujakazi in person, we drove to a service at the Living Jesus Church. Rumor has it that Mama Mujakazi, as she's respectfully referred to by the locals, is due to make an appearance today. Shalom, fami. Shalom. Tunakaribisha watu watao waine watano wakijipatanisha na Kristo aliye hai. Karibu. Shalom family. Nataka kujipatanisha na Yesu Kristo aliye hai. Anisamehe kwa manung'uniko, kwa kusema mbaya na kwa kugusagusa vya watu mchamba. Mungu anisamehe kwa hiyo. Anisamehe jana mchana. Sasa hiyo mjo wa neema ndio sasa yenyewe tumeendelesha kwa sasa kwa maana mume wangu kaanza soma Biblia na mimi nikaanza uhubiri vile vyote na ndio nikaanza sikia upako uko naongezeka na karama zikienda na kuwa za mingi tu ndani yangu. Sasa watu wanafika hapa kila mtu anakuwa na shida yake. Araporo na juzi alifasiria mtu ndio mtu anayewaka atamjimia. Jumanyi hana ayo, haizi umbea mutu na apate uponyaji. Mais elle estime qu'elle prie, mais par la suite, elle exige des offrandes. Et il y a des gens qui pensent qu'ils ont trouvé des solutions à leurs problèmes. Qui apporte qui? Une chèvre, qui apporte un pagne, qui de l'argent, qui des produits champêtres. Elle vit grâce à ce que ses adeptes apportent. Ceux-là, bien sûr, qui estiment qu'ils ont eu solution à leurs problèmes après avoir contacté ou rencontré la femme Mujakazi. Sasa nimesema za mpishana, mie kugezi nina unaka, nikiona tu nasikia kapuro na shifika na ile inanionesha kapuro sini nina unu mtu mwanae. Matawa na balozi, nashambo za mungu tarakisi, nishawachawa nye, nishawachawa nye, nishawachawa nye. Kama mtu kwa mbibu, ne kuna kwa wakwa mtu wakwa wakwa natendea na baku nazo marai. Maile efetu anakuya, kuko zenyezi na jimanifesta ke, unakutana mtu, huko mubia mingi mingi nake akili balisha zicheze. Ile efe, unamitia huko mkono, haiko shinjo tunafanya ke ile kazi meni Kristo, ule mwenye alikuwa na mfatilia epe ke. Ya wanaki. Deje lishafungana na kweso. Idoshe, idoshe. Toshe le sashe mwili ya wanaki. Toshe le sashe mwili ya wanaki mbi. Toshe. Tosha. Ndio nishamkausha. Hii sashe balitia mwili ya wanake na ichoma, kialunguza, kateketeza. Bacha wao wabakuina kizuri.
Na wapia nezi gusa, maki hana kizuri. Efetu uko mzuri na wanako mchawi haizi furai. Ulisema lumbewa akili. Ulisema lumpati ya akili ya nini, sama mtuala akili ya akili. Toshele akili ya imbwa. Basi mwiko na akili ya imbwa tarezona. Ile akili ya imbwa ya mulitia wanake na ichoma. Choma. Wakati anavumbuliwa juu shie seke ya kanisa, tunaambia bate yule njo wa Kristo. Hata uyuwe uli ni mchawi wako, usimufuate kimwili. Maake unawakia utuko na ombo kunambia Mungu ye peke, ashugulike naye lakini siende ajire kimwili. Kristo aliye hai mwenye alitupatia mtume mzuri. Familia yangu, juu sana tuombea na tunapata. Akisema neno, tunafanikiwa. Mimi nashukuru sana Kristo aliye hai. For several years now, the head of Kabari has gathered evidence of the brutal massacres of local women and men lynched because a Mujakazi accused them of witchcraft. Kuwawa na kuchoma, kuwawa na kuchoma population na nikimbia ako. Kimi ni na batoto ba ine sali wanaka mkuu wake na wanangu anakufa. Na nani yake na mamake na babake na badadake boti akatunyanganya bumashamba ya budongo mama moya kanisaidia msaada tu ngili budongo kaangukia mumwake kuangukia mumwake akanisingizia bia bongo kama mie nilikuwa mwake na sikufika mumwake aseme nifike amo sikuenda muloga sibijua hata mu maisha yangu kisha akakuya akaanza kwa shefu bakanita kwa shefu niko kwanza nikokota seto nataka kuchoma kama haiko yenye alinipatia shapene ile Biblia siwezi waza mawazo yangu Mungu aliye mbinguni ndio tulienda Kalonge alikuwa banaita watu ase baende Kalonge baende baangalie mwenyana kwa mlozi kisha njo yenye balikuwa balozi bakaenda bana banyola na mbenye avalokake bakabaacha tu kisha na tunarudia kunyumba sasa tunafika kule nani park mwenye ananyolewa banampiga mwenye anyolewe banamwacha tu anaenda kwake alimubeba kase kumundo njapo kwa mlozi sasa banampiga anakufa kisha banachoma. Ye mama alikuwa tu akasema tukana kwa mlozi. Hapa sasa kwa ndio ilitokea vile kugonjwa sasa. Ndio akasema sana za kwa mlozi. Kumje wakamupa sasa kwa mjakazi wakamkazanisha kaenda. Ndio mjakazi akasema kai kwa mlozi kumpiga sasa vya nguvu akakufa. Ndio akasema kana iko mlozi. Kafikia sasa kia kuzika mama yake wakasema sema wanatamuua. Akakia ponyoka, akaenda na lala kubavuaze. C'est depuis les années 2014 que ce phénomène Mujakazi a été attendu pour la première fois dans le territoire de Kabare. Mujakazi va recruter un groupe qu'on a appelé un groupe composé de milices, les criminels des grands chaînes, c'est-à-dire les gens qui ont tué dans les années passées. Dès que la Mujakazi te déclare sorcier ou sorcière. Maintenant, ce sont les bandits là, les grands chemins, qui pourront la personne accusée et commencer à torturer la personne en question. Nous sommes allés au-delà des 100 familles touchées. Mais actuellement, pour cette année, seulement cette année 2021, nous avons enregistré 7 personnes tuées à travers ces fausses prophétesses de cette femme-là. Il y a 12 maisons brûlées depuis cette année 2021. Et voilà, ici et là où reste Mujakazi, on peut estimer 25 km. Mais voilà, les gens quittent ici jusque-là uniquement pour opposer les uns aux autres et en parlant de la sorcellerie. Voilà, ici, c'est chez Papa Maroui, la clôture où on a incendié
6 maisons après que la Mujakazi aurait accusé sa femme d'être derrière la mort de son voisin John. Pendant que John souffrait, la Mujakazi avait convié sa famille et la famille de John, les deux Fela. Ils sont tous partis à Bushira chez la Mujakazi. Et la Mujakazi a dit, si toi tu meurs aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es malade, mais ce sont les gris-gris de chez toi qui va te tuer. Wakati ile bwana alikuwa yafikia hatua ya kugonjwa, ye papa mkubwa, ye bamu alikuwa anasema chupa zinakuwa pale kwake. Sasa alishakosa kisi ya kuzitoshi. Ndio tukamfuata mfamia tukaenda tunamuuliza kama zile machupa ni za nini. Alisema zile machupa ni za bulozi. Lakini hajua mwenye alimtilia kazi. Alifuata mfamia tukasema vile itatuharibishia. Tafute makuta na tutafute wenye batavitoshi. Ndiyo, tukafanya makuta, nyuma ya pale, mtoto wetu mmoja akagonjwa. Wenye tuliendaka wakutuambia sezile makuta. Na nyuma ya pale mtu akakufa. Hatukusema kitu tukanyamanzi. Apure mwezi mmoja, ye bwanangu naye akagonjwa. Ugonjwa tukaenda kwa ule mwingine mjakazi atuambia sasa zile machupa ndio ziko tunaharibisha watu mwa ile familia. Sema sasa dimanche wataitisha watu yoyote mfanie tuongeze makuta yenyewe tulikuwa tulishafanya kwa kutoshea vile vya kufumua mule. Ile dimanche lifika kama 11 balisha jitayarisha kuongea vile na njo mtu kafariki na haba ya ongea. Fujo mubatu na baliba onaka haba kubawaka. Baliba acha wakakimbia mkolele njo watu mwajama mungu. Actuellement la famille est en déplacement, c'est-à-dire en train de fuir la mort parce que normalement ils ont échappé. Mais vous comprenez que la famille du défait, la famille d'accusé, toutes les deux familles étaient conduites par Mujakazi. Mungu yeye peke atanipigania kweviko. Na ndio maana nilisemaka basi vauwe. Watakufia tu kumwingine au ingine fasi, bora tu isitokee mu mikono yangu kuvauwe. Il y a seulement 2 mois seulement qu'on a incendié les 6 maisons qui étaient dans cette clôture. Et c'est par après qu'on a alerté le service de sécurité à travers le parquet pour le tribunal de paix de Kabare. Et on est parti alors exécuter la Mujakazi. C'est après l'événement d'ici. C'est dans chaque ménage qu'il y a un conflit suite à des faux messages donnés par ces Mujakazi. Actuellement dans la prison, au centre de Bukavu. Je suis l'avocat conseil de madame communément appelée Mujakazi. Il y a plusieurs charges. Il y a l'infraction de meurtre, le meurtre. Il y a l'association de malfaiteurs. Il y a l'imputation dommageable. Ma cliente réclame justice parce que selon elle, elle a été arrêtée injustement. Elle est innocente. We tried to get into the prison to meet the Mujakazi suspect and hear her side of the story about what took place in Kabare. We couldn't secure an official visit, but $150 slipped into the right hands magically unlocked the doors to Mujakazi Mapenda Francian's cell. Siasikia kama yenye wanaua seni limotabiri na siatabiri aka mtu. Sikujua byenye bilinileta balinifunga haba kuniambia ka byenye bananifunge. Nilianza kazi ya Mungu wala niko mtoto mdogo wa miaka 15. Kazi yangu ni kazi ya kuombea wagonjwa. But the visit didn't last long. $150 only buys you a few minutes worth of interview. We were soon escorted back outside. Even if you go with her on the court, you don't have proofs that she's the one who told you to kill the people, you know? She's like, why are you accusing me? I just say that God told me. And the problem is that our law, like our penal law, it doesn't foresee something like punishment for people who do this. Like witchcraft is not recognized by law. Like, okay, where are the proofs, you know? La dame là, c'est une héroïne. Pourquoi? C'est parce que c'est une dame qui aide beaucoup la population à travers la prière. Et il y a ceux-là, les malades sont guéris lorsque la dame prie. Et il y a ceux-là qui viennent
voir la dame pour des problèmes spirituels et elle est là, elle prie beaucoup et signalons qu'actuellement à Kabare, il y a plusieurs Mujakazi, il y en a tant d'autres. Peut-être c'est une autre Mujakazi qui avait prophétisé et puis on a dit que c'est ma cliente. Even though one of Kabare's most popular Mujakazi is under investigation and unable to keep working, the number of lynching cases in the region doesn't drop. On dirait les étudiants qui apprenaient comment tromper les gens. Notre rôle d'action ici présent est un coin du territoire de Kabare, beaucoup touché par les cas de la maman Mujakazi. Non, je sais que je disais derrière les masses que les bilans, en tout cas, est très lourd et c'est difficile de répéter parce qu'il y a déjà 5 cas. Ce sont souvent des cas isolés qui ne sont pas arrêtés par les autorités et la majorité de la famille et des villages ne déclarent pas malheureusement les cas de mort au niveau de l'état civil. Ses papas étaient lapidés. Au courant du mois, il y a un membre de sa famille qui était malade. Maintenant, on est parti chez la maman Mujakazi. La maman Mujakazi va dire que non, c'est le papa ici, le défunt qui est auteur de la mort, auteur de cette maladie. Maintenant, sa famille va organiser une réunion où on s'avait décidé de couper ses papas de lapider avec des machettes. Incendié par cette même population en colère. Grâce à quoi? Grâce à l'intoxication de la maman Mujakazi. Des vaches tuées, des moutons, des maisons incendiées. Oui. Voilà là où vous allez maintenant voir bien sa figure, comment il a été beau comme un animal. Mujakazi Sandra prays tirelessly for the well-being of fellow villagers. She claims to have a unique trait. Whenever the spirit of Jesus Christ comes to her, Sandra begins to speak in an animal language. Niko Mujakazi wa Mungu, niko na miaka 13. Nikaingia mu maombi. Kuingia kwa maombi nikasikia roho wa ule papa sasa wa ule Samuel. Akaanza nitabiri akaniambia mama Sandra huko na karama na ile karama kabisa itaponyesha watu wa mingi. Na watu wa mingi wanajua ushuhuda. Hakuna wenye hawafikaki hapa na wanakosa uponyaji ba mingi sana. Karama lakini kama mimi naingia kwa maombi mimi nasikia kabisa mimi nanena kwa lugha sana. Mimi natabiri sana. Hapa mtu tunaona aye anaanza kuombea watu na wanapo wengi wakasema oh mama Sandra kuna saa haiko karama ya Mungu anake mina kamataka akiniletea mtu wa vile kama wa mjamanjo mwalimfanya vile chukua mtu mwanagonjwaka na haikuwa mjamanjo mwanamfanya vile mina mkamataka mina mtia mina mwambia msiogope mtu wenyu atapona. Mimi naanza namuombea, kumuombea, anakuwa apokea uponyaji. Benzetu wetu tulikuwa natumika nao wakaniambia unaona hii mama Sandra hii kazi itakuisha nikasema mbona siwezi acha kazi ya Mungu na sasa mimi nasemaka niache juu kwenye mimi naogopea asiye siwezi tumika tena juu biko na tubana vile huko baba biko na tufunga vile nabaambia hai bwana na kuombea mimi naombea mtu mara tatu na napona Na
faut être ministre, il faut être député, il faut être un chef de division, il faut être gouverneur. C'est là qu'on sent qu'on est en train de travailler. Mais pour d'autres secteurs comme l'agriculture, l'élevage et la suite, il n'y a pas d'emploi. Et les hommes, chacun se démène par rapport à ses moyens, par rapport à ses possibilités. Beaucoup d'hommes se recherchent par des activités minières. Ils quittent la ville pour les territoires où il y a exploitation minière. Ce sont les femmes qui ont toutes les responsabilités pour la survie des familles. Nous sommes dans une ville où seules les femmes sont appelées à exercer, à mener toutes les activités possibles. Vous allez voir des femmes porter fait, vous allez voir des femmes qui se démènent dans des quartiers pour lessiver, hein, dans certaines familles où on a un peu de moyens. Et puis, après avoir lessivé un nombre important d'habits ou de choses à la maison, on lui donne quelque chose, c'est pour la survie de sa famille. Comme on sent qu'au Sud Kivu, par exemple, dans les territoires, on vit une pauvreté extrême, tout le monde cherche par tous les moyens, même par des baguettes magiques, pour avoir l'emploi, pour avoir une maison, pour avoir un véhicule, pour avoir tous les éléments nécessaires pour la vie. Ils se permettent d'aller auprès de la Mujakazi. Les Alawat, nous avons fait un peu de temps, au moins à l'Ishafarik. Nous avons na wanangu hakuwe na kazi, anaenda na tembeza. Juna ye anakuwa tu mutumishi, anaombiaka tu watu. Those two people were like the one going to see one person in the village, telling him, no, I saw you are suffering a lot. If you want to stop your suffers, you have to come to see the Mujakazi, like the people of God, you know, like the one who will be will provide you with prophecy about what can change your life. And other women were like finding that, okay, maybe this can be a good business, because those people will come or give them of things and they will provide me with chicken or money or I don't know, you know. Ce sont juste des gens affamés qui essaient juste de manipuler la population pour trouver aussi le pain quotidien. Et tout cela vient avec la pauvreté. Il n'y a pas de travail. Et quand tu trouves que tu n'as rien à faire et qu'il y a aussi une population non instruite ou moins instruite, on en profite. In Congolese society, a woman is still not highly valued, and an accusation of witchcraft can be a convenient excuse to get rid of an unpopular relative, a grumbling mother-in-law, or unloved stepdaughter, for example. On a enregistré beaucoup de cas de femmes et de jeunes filles qui ont été accusées de sorcellerie. Malheureusement, il y a même certains responsables des familles qui sont parvenus à chasser leurs enfants du toit paternel seulement parce qu'on soupçonnait l'enfant. Tout est parti beaucoup plus des situations difficiles ou complexes dans une famille. Et par la suite, vous trouvez un responsable des familles qui dit « Moi, je suis convaincu que cet enfant est sorcière. Je le chasse de ma maison. » Peut-être qu'un jour, l'enfant était en sommeil. C'est un songe qui arrive. Il est en train de dire des choses. Et qu'est-ce que vous disiez? D'ailleurs, vous étiez en train de parler avec quelqu'un la nuit, oubliant que c'était un enfant qui sommeillait, qui ne sait rien du tout dans des situations qui cadrent avec la sorcellerie. C'est ainsi que l'Église catholique a créé une structure qui existe ici à Bukavu, qui s'appelle Ekabana. Ekabana, c'est-à-dire les enfants à la maison. Et la structure existe, qui a récupéré ces différents enfants qui ont été accusés de sorcellerie. Alors, cette initiative est commencée tout de suite à la fin de la guerre, disons, du 2000, 98, 2000, après la guerre avec le Rwanda
qu'ici, il y avait tous les réfugiés. Il y avait des filles stagiaires qui faisaient l'école sociale. Et elles allaient dans la rue interviewer les enfants de la rue. Et voilà qu'un groupe de petites filles a approché ce stagiaire-là et a dit « Mais nous aussi, nous sommes dans la rue. » Ils nous ont chassés de la maison parce qu'ils nous ont dit que nous sommes sorcières. Alors, les filles étaient touchées parce que c'était petite. Elles avaient entre 7 ans et 9 ans. J'ai approfondi un peu le pourquoi et le comment et j'ai vu que ces filles avaient besoin de protection et d'accueil et d'amour surtout. Elles n'avaient pas l'endroit où aller, personne ne les voulait. Plus ou moins les 60% des enfants que nous avons ici sont toujours accusés de sorcellerie, malgré tout notre travail que nous faisons aussi pour animer les communautés de base. On n'accuse pas les garçons et on accuse surtout les filles. Par exemple, à Kinshasa, vous savez qu'on accuse aussi les garçons. Mais ici, les garçons, on les accuse. Je pense que c'est une question de culture. Ces filles accusées sont toujours des filles qui ne sont pas la plupart le père et la mère qui les accusent. Parce que souvent, ce sont des filles dont la mère est morte. Le papa marie une autre femme et cette autre femme, après un certain temps, s'il commence à avoir un problème, par exemple, elle ne met pas au monde, il y a quelques mois, l'année passée, deux autres enfants accusés d'être sorcières parce que la maman était morte après une semaine qu'elle avait accouché l'enfant, son sixième enfant. Ils ne savent pas comment gérer les enfants malades. Quand ils n'ont même pas à manger, ils ne savent pas trouver les soins. Et sans cela aussi, que quand ils sont un peu grands, on les accuse d'être sorciers. Et après, on ne les veut pas à la maison. On risque de dire qu'ils sont sorcières pour les chasser. Ah, vous savez que l'on va ridi.
Ukuna wakia tu vitu nafunga tu sura. Si vata kwa na kuokopu. Unasikia mtu. Unasikia hawa. Unasikia utasema lakini umajaribu mamu. Hapana ilifo kucheka. Mwana mke na chekaka. Utakona karibisha vato ae kwa kona ucheke. Wala. Unasirika utacheka. Haiko bie. Mwana mke anakuwa kuchangamuka. Ato nilala njala. Unachangamuka. Kila mtu utatazase. Ule nilala na shiba. Alishiba sana. Jepo kwa nilala konjala. Kila mtu unachangamuka. Anatoka nenda tu na nasikia na furahi. Yote tunie na poka. Kamata kila kitu. Nisha tufanya pa mwezi mwe. Nisha sema tu mwenye. Mwenye lanyo na uruma nae. Kumaisha na vendezi pena nipati na mea kukendekala. Kwa mzuri kwa walanipela sawi legisa pa kwa nuka kisi wananipena, kisi wananile. Mili nifili yangu ngete ni mina ajoye. Juli ile nyetu walinyambia, kana ile nyetu walinyonisha kwa semi. After more than a year under investigation, Mujakazi Mapenda Francian was eventually released. So far, there's no precedent in the Democratic Republic of Congo for a Mujakazi to be held accountable and punished for her actions. Il n'y a pas de loi spécifique sur le phénomène Mujakazi, mais tout rentre dans le cadre des autres lois de la République. Je prends par exemple l'exemple du territoire de Kabare, où il y a à peu près 5 mois, vous pourriez entendre que le nombre de Dajakazi dépassait 6 ou alors 7. Et donc, comprenez, par rapport aux habits qui se font dans leur chef, quand vous avez plus de 7, donc vous avez autant de mauvaises prophéties et qui conduisent à la violation de droits humains. Donc, un phénomène qu'on appelle la coréité, donc le co-auteur des infractions commises. Oui, la Mujakazi ne doit pas être épargnée tout le temps que c'est elle qui a incité à la justice populaire. Mais la responsabilité pénale principale, elle est de personnes qui ont mis fin à la vie de cette sorcière-là. Sasa tunaenda kuomba sisi makuhani moto wa Mungu uchome ulunguze kila nyoka zote zimeingizwa ndani ya Kongo. Amen. Ba infiltre ba lungule. Uchao rose lungule. Kama sokeni ya lungule. Amen. Ba ikarisi tu ipi na kuja tunalunguza. Tunachoma. Nifuata vizuri. Na alliance zote. Ma accord. Ma protocole zote. Sisi tutakamani ilichagua wako. Ulisema nasi kwamba sisi bosi wiki tukamu. Na mwini kusikia mama. Kwa kichomu. Kila wapu yote. Yoka mwini English. Yoka mbapa. Yoka mbambani. Yoka mbapani za kukormasi. Yoka mbapani. 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 Je suis un peu plus de temps. Je peux dire que nous sommes en train de nous retrouver. La femme dans des territoires, la femme n'a pas de valeur. Quand nous y sommes, la femme ne peut même pas s'élever dans une réunion de famille et hausser la voix. Il y a des coutumiers, des chefs coutumiers comme ça. There are those women who define themselves like activists and who find that we are the one on the front and they feel like we are lucky to be women because we are the one who will change the situation. And then there is this category of most of women in Congo who are still underestimated, who are not enjoying their lives. She lives also in a village or in an area where are armed groups, and easily she can also be raped. And it will be maybe that woman who just educates her children, but whose neighbor would say that she's a witch and who will be killed, you know? This, for this category of women, it's really, really hard to be a woman in Congo.
La communauté chez nous doit prendre conscience. Si on est chrétien, on doit croire à un seul Dieu. Et ce que font ces femmes Badjakazi, ce n'est pas vraiment légal. La population doit comprendre que tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons devenir, c'est grâce au travail. Même si nous vivons dans des situations complexes et difficiles, nous devons créer l'emploi, nous devons voir comment faire pour nous éviter toutes ces femmes beaucoup plus qui nous trompent. Et là, nous pouvons espérer vivre heureux.